Et salut tout le monde, ici Réa, de retour sur Lara Croft Go pour la suite de nos puzzles dans donc le labyrinthe des esprits. Je me souviens plus si j'avais collecté les trucs qui me manquaient dans le labyrinthe des pierres. Non, il me reste deux fragments d'araignée, donc j'y étais pas retourné. Mais bon, on va pas trop s'en préoccuper, on va retourner sur nos puzzles. Si vous entendez les bruits en arrière-plan, ne vous inquiétez pas, ce sont les chiens qui jouent. Là pour l'instant, je viens de faire ce qui était logique, c'est-à-dire activer ce que je peux activer, aller chercher ce que je peux aller chercher, genre la lance par exemple, je suis à peu près sûr que je ne peux pas la récupérer. Parce que je ne peux juste pas me glisser derrière l'araignée en fait. Et je peux faire ça et là elle se retourne et elle me bouffe. Même problème si j'essaie de passer derrière elle depuis l'intersection du bas. En haut j'ai l'impression que c'est pas mieux. Quoique vous allez me dire... Ouais non, il faut quasiment que je décale ce truc pour avoir une chance. Ah. Normalement j'en ai pas besoin hein, des... Ok, j'ai pas besoin de ranger ça non plus. J'ai le curseur qui se bade, mais je ne vois pas de peau. Ah, j'ai parlé trop vite. J'ai parlé trop vite, ils sont de plus en plus cachés ces peaux. Ensuite, on fait ça. On va aller derrière la torche. On récupère la lance. Me permettre de me débarrasser de ce serpent. Je suis vraiment bien caché, faut dire ce qui est. Ah, d'ici. Et c'est réussi, même si je soupçonne que sur la gauche il y avait peut-être un endroit où aller pour un point. Oh, peut-être pas, remarqué. Peut-être pas. Donc, j'ai l'impression que ce niveau ils reprennent pas mal d'anciennes mécaniques et ils les mettent dans des puzzles un petit peu plus durs. Comme ce ne sont pas de longs puzzles mais des petits puzzles continus, c'est encore jouable. Je suis actuellement en train de réfléchir. Est-ce que j'ai envie de tuer les lézards? Ils ne peuvent pas me servir d'obstacle. Ils peuvent appuyer sur des boutons pour moi, mais ils peuvent pas non plus faire beaucoup de miracles. Ouais, non, j'ai acheté la torche. C'est stupide, elle la ramasse pas si elle est tombée au sol. Thank you.
ça, ça me tue instantanément, très bien. Allez, comparé aux deux précédents, celui-là, j'ai un peu plus de mal à tourner mon esprit autour. Il va falloir que je réfléchisse un minimum, parce que la solution n'est pas aussi évidente. Donc, si je pouvais aller en bas, je pourrais monter avec la torche, avec la plateforme, ce qui me sauverait du serpent. Le problème, en fait, c'est ce lézard. J'ai tenté de prendre la torche sans l'activer, mais derrière ça m'aide pas puisque je peux pas en fait. Vous voyez, il s'active quand même et au final je me retrouve dans la même situation qu'avant. Et là, vous voyez, comme il reste dessus, ça tire et ça me tue, donc je peux pas m'avancer vers lui pour le finir de cette façon. C'est pas simple. Le problème, c'est que j'ai pas de croisement de taille 4. D'ailleurs, prendre une torche et il recule, donc pareil, je peux pas non plus faire de miracle. Là, il recule pas vers le bas, donc je peux pas essayer de le faire tomber non plus. Ah, remarquez, si, j'ai une idée. Je vais dire, je sais pas pourquoi j'ai pas pensé plus tôt, mais en fait, si, c'est un peu une évidence. Voilà. Non, je peux utiliser le piège à flèche. Tirer le levier. Ce qui gère le problème du serpent. Et il me faut un lézard pour appuyer sur ce bouton, qui est la raison donc pour laquelle il faut que je fasse toute la manip que je vais faire maintenant. Le lézard se déclenche, il me suit à deux cases d'intervalle. Et voilà. Je n'ai pas vu d'autre peau, donc on continue. Voyons voir. Je vois de la scie. Des murs et je vois un tracé orange. Je vois un tracé orange dont je ne comprends pas l'utilité, mais qui ne me ok. C'est les zones que le serpent attaque, peut-être bien. Ok, je peux marcher dessus, mais je peux pas rester dessus. On va tester. Je peux pas descendre là, la ligne est continue. Ah, alors du coup, il faut peut-être que je monte pour le forcer à se baisser. Descendre comme ça, je peux pas lui monter dessus. Ok, ah, il a un cycle, il met du temps à remonter dans son trou, ce qui me laisse le temps de faire ça. Je
Là, il faut que je refasse la même, hein. J'ai pas tout forcé d'un coup, parce que t'es dans 3 cases, ça a l'air d'être le max de temps que je peux avoir quand je fais ça. Intéressant. Quelle est l'utilité de cette manœuvre? Là, je peux pas monter. C'est ça, prends ton temps, fais ta pirouette. Là, je peux rien faire en fait durant l'intervalle. J'ai l'impression que ça ne sert strictement à rien. Ah mais non! J'ai plus le temps. Du coup, on refait. Là, bien sûr, le misclic qui me tue et qui m'oblige à tout recommencer. C'est un peu embêtant le fait que le. Oh, tiens, ça sauvegarde. Sympa. Ça reprend avant de marcher sur la ligne. Le fait que le stick ait besoin d'être poussé en diagonale et que du coup, s'il est pas activé correctement, ça m'aide pas bien. Non, 2 secondes. Parce que l'autre, je sais pas s'il servait à dévoiler un truc comme ça, mais lui je l'ai eu. Et voilà. Je me suis débarrassé du serpent et j'ai oublié que la scie était encore active. On reprend. Je vais vérifier du coup qu'il n'y a pas un pot caché derrière le mécanisme. J'ai pas l'impression. Le son est un petit peu fort. C'est surtout ce niveau-là. Et voilà. Et ça continue. Cette scie dans les dents n'a pas été suffisante. Là, faut serrer du grand serpent pour que tu essuies sur le côté, sinon impossible de passer. Ouch. Allons-y. Là, mon nombre de pas est quelque peu limité par la casse, donc il va falloir que je réfléchisse un minimum. Par contre, est-ce que je peux avoir accès aux options? Non. Voyons voir. J'aimerais ne pas avoir à le recommencer trop, en fait. C'est pour ça que je suis en train de réfléchir actuellement, mais... Ça va pas être simple, la route elle est cassée à plusieurs endroits. Autant utiliser ça et aller au levier d'abord, voir ce que le levier fait. Ah
Ouais, pour le coup, il n'y a qu'une position qui est viable et c'est celle-ci. La sortie. Et au passage, on prend le pot. Ok, donc là, c'est un aller sans retour, clairement. Lui, là, je le vois. Est-ce que je peux arriver à le pointer avec mon stick défaillant? La réponse est oui. Là, j'ai pas le choix, de toute façon... À part moi. Si j'ai le choix de mourir avec le stick qui décide de me faire revenir en arrière, très bien. J'aurais aimé des contrôles clavier en fait, beaucoup plus précis, mais bon. Clairement là faut se mettre sur le côté, sinon impossible de faire l'aller-retour. De toute façon on ne peut le faire qu'une seule fois. J'aurais pu garder le truc d'aller-retour juste ici, en bas, parce que j'en ai pas besoin. C'est tiré pour saisir, n'est-ce pas? Pourquoi tu... Hop, ça me permet de le tuer. Oui, mais non, en fait, il faut que je le pousse d'abord. Là j'ai envie de tomber ici en fait, parce que si je tombe directement sur le pilier, j'ai pas d'échappatoire pour le serpent. Je vais me servir de ça que j'ai laissé entier tout à l'heure pour passer. J'ai profité du délai pour monter directement. Alors, j'ai l'air d'avoir 3-4 options de piston. Mon but est sans doute de faire tomber ce truc sur la tête du serpent. Bleu serait pas mal. Vert me bloque. Jaune, je pense que c'est trop loin et que ça va pas tomber sur le serpent. Rouge, que non, c'est peut-être rouge en fait que je voudrais. Parce que rouge, il sera en plein sur le passage et si je veux essayer d'atteindre bleu, il me faut un déplacement de plus et le serpent sera barré d'ici là. Probablement rouge. Faudra que je le fasse en deux temps, bien sûr. Parce que là, si je fais pas ça pour l'atteindre, je suis... Trois temps, joystick. Ah. Ok, on va se dépanner. Ça a l'air bon.
C'est suspect ça, c'est particulièrement court. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas vu de peau ou quoi que ce soit. Ok, ça c'est pas ma, c'est pas indiqué correctement. Ils auraient pu essayer d'encadrer le bouton avec du orange, je sais pas trop. Mais c'est bien sur la ligne. Et là, si je fais ça, je meurs. Donc, clairement, comme je n'ai pas trop de choix sur l'ouverture, je vais la jouer. Ça, c'est... réfléchir comment est-ce que je circule. Peut-être comme ça. Comme ça je déclenche pas le gros serpent. Ah mais non. Là il se barre. Là je tente. Il y a un décalage et c'est pas cool. Est-ce que je peux le faire comme ça? Il aurait fallu qu'il soit à 3 de distance en fait. Avec l'ordre dans lequel je fais cette manipulation. Comment est-ce que je peux me débrouiller? Je peux le mettre à 1 de distance techniquement. En me rapprochant puis en tournant. Mais à 3 en fait, dès que je m'éloigne, il suit. Et comme ça. Et là, j'ai tué le lézard. Ah, je viens de... Je crois que je viens de tilter, mais il faut que je meure. Je recommence. Je pense que le lézard ne doit appuyer que sur le bouton rouge et que le bouton noir, c'est le gros serpent qui peut l'activer. Dans ce tour-là, vous voyez, quand il est dessus, il l'active. C'est QFD. Là, je suis bloqué et c'est très rare que ça arrive sur ce genre de puzzle, mais je suis obligé de faire un redémarrer. Donc non, le lézard doit se trouver de l'autre côté à une case du bouton rouge pour qu'elle soit activée directement. Très bien.
si je faisais ce que je lui demande, ça se passerait peut-être mieux aussi. Faut dire ce qui est. Peut-être qu'en débranchant ma manette, j'aurais des contrôles clavier, mais. Dans les mécanismes, ne vous inquiétez pas. Je vais devoir redescendre, donc il est au programme. Normalement, lui, j'ai plus besoin en fait. Quoique. J'aime bien le bouton rouge, il permet de tuer le gros serpent. Mais c'est compliqué parce que s'il faut que je guide le gros le lézard là pour ça. Il y a une scie là-haut. Hop, lui je le récupère déjà. Voilà. Parce qu'en fait, s'il faut que je garde le lézard pour tuer le gros serpent. Mais non, le lézard il a toujours deux cases de décalage avec vous. Parce que même avec la torche, il recule d'une case quand vous avancez d'une case. Et il n'y a pas moyen de faire un offset puisqu'il se déclenche forcément à deux cases au départ. Soit il s'arrête parce qu'il avance plus. Voilà. Et là, positionné comme il est, de toute façon, je pourrais pas le refaire démarrer. Parce que je ne peux pas me mettre en face de lui. Donc dans tous les cas. Il faut que je le tue et que je passe. Et là-bas, je vois un levier rouge, donc peut-être que le levier rouge me permettra de faire quelque chose. Ouais, là, le misclic de l'enfer me fait pas recommencer, s'il te plaît. Ouais. Oh tiens, le lézard rouge est réapparu. C'est marrant, ça. Je savais pas qu'il faisait ça pour les sauvegardes de mini-niveau. Et du coup, le levier jaune n'est pas activé. C'est un peu un checkpoint, mais qui reset le level. Qui prouve d'ailleurs bien que je n'ai pas besoin de la première moitié du niveau pour résoudre la seconde. Allez, les bonnes directions cette fois. Là, vous voyez, j'ai fait la direction que vous, ça va être la bonne. Ah, c'est ce que je craignais. J'avais du mal à voir le sens de la roue. Je voulais tester. Non. Ah, pas le choix. À cause de ce misclic qui me fait perdre un tempo. Il n'y a vraiment pas de touches directionnelles qui font l'affaire. Non. C'est gamepad ou rien. Et j'ai pas envie de me pencher derrière les câbles pour le débrancher maintenant. On va persister. Je couperai sans doute la vidéo à la fin de ce puzzle là. Ça
assez important. Et ça, c'est ma mort. Ça, c'est important, et ça, c'est ma mort. Très bien. Suivez-moi. Je suis pas loin d'une solution, ça dit. Remonte. Et bien sûr, c'est là que j'ai l'offset. Juste à cause du décalage de 1. J'aurais dû attendre un peu plus. Au final, je me suis retrouvé coincé au même endroit. Même tempo. Ce premier passage dans les scies, j'ai le chemin. J'ai pas le choix, faut que je descende. Faut que je descende et là faut que j'aille ici. Ce qui me permet, voilà, de venir ici en paix, de tomber, de descendre et d'activer le levier rouge. Est-ce qu'il reste activé? Ouais. Bon, on va les éteindre. De ne pas se faire tuer en allant à la sortie. Ah. Bien, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. La suite de nos aventures serpentiformes dans la suivante. D'ici là, portez-vous bien et ciao tout le monde.